Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite, mes vidéos préférées de la semaine. Et tout de suite, on commence avec une vidéo cute, mignonne, une vidéo douce quoi. J'ai menti. Dire que ça part d'un bisou à la base. Ce qui me tue, c'est comment elle réagit avec sa main, on dirait une magicienne genre. Tada ! Il a dégueulé ! C'est la dernière fois que je vais voir un spectacle devant Gare du Nord. Tous ceux qui ont un chat, je pense qu'on va être d'accord, c'est nos bébés. Mais quand même, c'est marrant de les emmerder un peu. C'est pour ça que j'aime les chats, c'est des humains enfermés dans des corps de doudou. Genre la preuve, on peut littéralement voir que le chat s'énerve de plus en plus. Oh. Et... Mais wesh... Mais rien, putain! Bon, par contre, perso, les chats de chez mon père, hein, c'est des chasseurs vénères. Hein. Ils ont aucune patience, ces salopios. Ça se serait pas passé comme ça. Mais arrêtez, monsieur! Là, t'as dépassé les bornes, cowboy. Alors, tout le monde sait que les perroquets peuvent parler. Mais il y a pas beaucoup de gens qui savent que c'est pas les seuls oiseaux qui peuvent. Hola. 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 Eh oui, les corbeaux peuvent parler. C'est quoi ces bails? Dans la campagne où j'ai grandi, il y a plein de corbeaux. J'en ai jamais entendu un répéter quoi que ce soit. Le seul truc qu'ils lâchent, c'est le classique, l'indémodable. Disque d'or dans le royaume animal. T'imagines le premier homme qui a entendu un corbeau parler? Il a dû péter un câble, le pauvre. Ah, rien ne vaut une petite balade à l'air libre. Tiens, salut la corbeille, ça gaze. Petite salope. Quoi? Personne ne te croira jamais. Alors, Donovan, cette promenade digestive, ça s'est bien passé? Ouais, je digère, là. Je digère. Petite salope. Ne jamais donner à manger aux mouettes à la plage. Erreur de débutant, ça. Les mouettes, c'est trop, elles sont trop la dalle. On dirait que la meuf a activé un combat Dark Souls. En plus, ces oiseaux, ils ont trop pris la confiance. Hein. Ils oublient qu'à la base, on les goûte facilement. Hein. Voilà, ça, c'est un homo sapiens comme on n'en fait plus. Le regard de prédateur, un ventre bien nourri au cassoulet, là. C'est pas un piaf qui va me casser les couilles. Folhas diferentes. Vamos lá? Un mec qui se ramasse, ça me fait toujours plaisir. On notera son petit cri qu'il fait quand il a compris qu'il va manger le sol dans les plus brefs délais. Un petit... Oh, il s'est foutu. La langue française, c'est fou. Tu changes une seule lettre et le mot veut plus du tout dire la même chose. Bip. 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 Imagine le gamin plus grand, il continue sans faire exprès. Bonjour monsieur, vous vendez quoi ici? Alors nous ici on vend des chibres. Ah! Des gros, des petits, des lones, des courts. On a tout ce qu'il vous faut en matière de chibres. Livres, Michael. Des livres. Oh. Mais c'est qu'il est déçu en plus le pervers. Les babyphones, pour ceux qui connaissent pas, c'est des téléphones. T'en mets un dans la chambre de ton bébé et comme ça t'entends s'il y a un problème la nuit. Mais maintenant tu peux aussi lui parler à ton bébé. Coucou Nathan. Coucou. Ce qui me tue, c'est la qualité de sa voix. On dirait une radio pendant la guerre mondiale. Le pauvre gamin, ça se voit, il était pas au courant. Coucou. Me tuez pas, s'il vous plaît. Mais par contre, moi, j'ai ça obligé, j'abuse de suite. Gaga. Allô, Nathan? C'est qui parle? C'est Dieu? Ouais, c'est lui. C'est moi. Et aujourd'hui, tu as une mission des plus importantes. Va prendre le sandwich dans le frigo et ramène-le à ton père. Prends des cacahuètes aussi. Dépêche-toi, sinon tu vas en enfer. Terminé. Ouais, quand on a des opportunités, faut les saisir. Hein. J'avoue, moi, je suis un morphole, mais quand même pas à ce point. Depardieu, si c'était un chien. Ça, c'est le genre de snap que j'aurais fait si j'avais un portable quand j'étais gamin. Eh hey, les gars, y'a du caca! Y'a du caca! C'est pas du mensonge! Le caca de toute la ville! Personne lui a rien demandé, mais lui, il l'a en envoyé spécial. Dans sa tête, c'est un journaliste d'éther. Il a raison, faut être plus positif dans la vie, faut s'émerveiller de tout. Tu sais quoi, bébé? J'ai annulé notre rendez-vous au resto. Demain, on va à une station d'épuration. Et voilà pourquoi la femme de ma vie m'a quitté. Les chats, c'est des robots, c'est pas possible. Oh non, oh dear. Non mais il tombe 15 fois sa propre taille, facile. Et il marche tranquillou comme si c'était rien passé. Je vais mourir, au secours. Allez, on s'est bien marré. Tiens, j'irais bien chier chez les voisins, moi. Un pied devant l'autre et j'arrive comme le pape. C'est succulent, en costard en eupape. Je dis pas que je suis devant, je dis regarde le gap. T'as pas compris, c'est encore moi qui rappe.